parler un petit peu du championnat des TF35. C'est quoi le programme cette saison? Comment on fait pour suivre? C'est pas forcément une activité grand public, la voile, hein, c'est tout le problème. Hein. C'est pas un sport populaire, je l'ai toujours dit. Il y a quelques événements qui le sont, le Bol d'Or dans quelques semaines, évidemment. C'est l'événement lacustre, mais le reste du temps, c'est quelque chose d'assez restreint en termes de public. Alors, cette année encore, évidemment, on est totalement restreint. C'est déjà une chance extraordinaire que les événements voile aient encore lieu, qu'il y en ait eu jusqu'ici. Ce qui est intéressant à suivre, c'est éventuellement sur les applications track-track de positionnement, parce qu'à chaque fois qu'on régate, on a des petites balises à bord du bateau. Donc, pour les passionnés, ils peuvent regarder en live éventuellement ce qui se passe. On n'est pas sur la coupe, on n'a pas 15 équipes de prod, 15 drones, 2 porte-avions qui vont suivre en direct les régates en question. Donc, c'est plus une histoire de passionnés. Une histoire de spectateurs aussi, parce que c'est vrai que ce sont des bateaux spectaculaires. C'est quand même toujours assez fascinant de voir des petits machins qui volent comme ça, sans bruit, parfois sur un miroir. Donc, tous ceux qui ont la chance d'avoir un petit bateau ou de venir à la rame, à la pagaie ou à la nage, venez nous voir, pas trop près quand même, à la nage, vaut mieux pas. Mais ça ne sera pas que un circuit sur les maniques, parce que vous irez en mer. Et après le Bol d'Or qui a lieu mi-juin, là on va démonter les bateaux, c'est un sacré boulot pour toute l'équipe, parce que ça ne se met pas en place en 5 minutes. Ils rentrent tous dans des conteneurs de 40 pieds. Et l'ensemble de ces 7 bateaux vont aller en Italie. Et on a une deuxième partie de saison qui aura lieu avec 2 épreuves en Italie, à Scarlino. Et enfin, vraisemblablement, une dernière épreuve en Méditerranée, toujours, donc sur de l'eau salée cette fois-ci, ça va tout changer. Déjà parce qu'il va falloir rincer tous les jours, ce sont des petites machines très très délicates qui aiment bien l'eau douce mais pas le sel, que nous, on va en prendre plein la gueule, forcément. Mais ça va être passionnant. Il y aura un autre paramètre intéressant, c'est qu'il y a plus de densité dans l'eau salée, donc en général, ça, en fonction de la température, il y a une grosse influence sur les fameux foils. Ça va être marrant à voir, mais enfin, ils ont déjà fait des tests. Et puis enfin, à Cannes, vraisemblablement, pas encore confirmé, une épreuve de fin de saison à Cannes, et les bateaux resteraient l'hiver prochain à Cannes.